quand vous arrivez devant chez le docteur Porte, la porte n'est pas verrouillée. Vous vous retrouvez dans la salle d'attente. Il y a personne dans la salle d'attente. Il est à peu près, il est 12h45. Il y a personne dans la salle d'attente. Par contre, vous entendez que ça, c'est en train, vous entendez des voix qui, un peu atténuées par les portes, hein, pour qu'il y ait, la consultation se fasse en toute discrétion. Donc il y a bel et bien quelqu'un à l'intérieur. Et au bout de à peine 5 minutes, la porte s'ouvre. Un patient en sort et vous vous retrouvez devant donc le docteur Porte. Bonjour docteur, docteur Porte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Bernard Masson, on s'était vu l'année dernière à un colloque de médecins et nous avions dîné ensemble. Alors, il t'a tendu la main pour serrer la main quand tu l'as salué. Le temps que tu lui dises que est-ce qu'il se souvient de toi, il plisse un peu les yeux, clairement en train de réfléchir, d'essayer de se rafraîchir la mémoire. Et alors, c'est ne le prenez pas mal, hein, votre visage me dit vaguement quelque chose. Par contre, vous dire, j'ai pas de souvenir beaucoup plus précis. Mais si vous me dites qu'on s'est rencontré lors du séminaire de l'année dernière, oui, je vous crois. Vous savez, ça va peut-être me revenir après, mais. Allez-y, rentrez. Très bien, merci docteur. Donc naturellement, le beau bureau tout en avec un voilà le cabinet avec son diplôme, ses diplômes de médecine, un beau bureau en chêne avec un sous-main en cuir, ce genre de choses, un peu comme chez toi d'ailleurs, hein, Bernard. Donc, en fait, il retourne s'asseoir derrière son bureau. Et alors, qu'est-ce qui vous amène ? Alors voilà, en fait, je suis un. Je ne sais pas si vous avez vu le journal là. Vincent Ferrier, qui est donc un grand pilote et qui est un ami à moi, a été déclaré décédé suite à des acrobaties pour une démonstration. À l'aérodrome d'ici et en fait donc j'ai appris que c'était l'un de vos patients et je voulais en discuter un petit peu avec vous. Tu vois que son visage quand tu as parlé de Vincent, son visage c'est un petit peu assombri et une fois que tu t'as fini j'ai vu la nouvelle ce matin. Écoutez, c'est bien triste. C'était une de vos connaissances, un ami? Oui, c'était un ami que j'avais rencontré pendant la guerre, quoi, que j'avais suite à une de ses blessures opéré, et puis par la suite, donc j'ai été affecté. Au niveau dans un aérodrome militaire et petit à petit j'ai pris la passion de m'initier au pilotage et par la suite au club ici justement on s'est revu, on a sympathisé, il m'a appris quelques astuces pour piloter. Et donc c'est devenu vraiment un très bon ami et ce qui me surprend un peu en fait c'est que ils l'ont déclaré mort dans les journaux mais ils ne stipulent pas à aucun moment qu'ils ont retrouvé son corps quoi. Donc je suis pas vraiment certain qu'il soit décédé. Et j'ai appris justement que il était en consultation chez vous et qu'il avait apparemment vous aviez réclamé sa présence assez rapidement.
Alors j'ai appris ça juste avant d'apprendre dans les ailes parce que bon, on pense que c'était un canular et donc voilà, moi j'ai décidé d'aller voir chez lui et puis je suis tombé sur cette lettre. D'accord. Alors, ce qui, enfin, c'est Et déjà donc je voulais ça me savoir s'il avait surprend. des ennuis, des problèmes de santé. Alors, pour être honnête avec vous, si vous me dites que on n'a pas retrouvé le corps, mais il est déclaré décédé par la, bon, déjà, je trouve ça assez surprenant. Ah, mais Mais moi enfin, aussi, hein. passons. Le problème, c'est que je, tant qu'il n'est pas déclaré décédé, et même si c'était le cas, il y a quand même le secret professionnel qui s'applique. Donc je ne peux pas vous dire clairement la teneur de pourquoi je voulais le voir. Non, mais je comprends tout à fait. Après, je suis assez inquiet, quoi. J'aimerais pouvoir rassurer ses proches à ce sujet-là, quoi, parce qu'on n'a aucune nouvelle. Après, oui, c'est vrai que les journaux, ils ont tendance à se précipiter dans les annonces, donc c'est complètement incohérent, quoi, entre ce que moi j'ai assisté justement à son vol et entre ce que j'ai vu et ce qu'ils ont cité dans les journaux, ça n'a pas de sens. Effectivement. Donc, Alors. sans trop rentrer dans les détails, peut-être me dire s'il avait des gros problèmes de santé ou autre. Alors, voilà, je ne peux pas vous dire clairement, je ne peux pas vous le dire franchement. Ce que je peux vous dire, c'est juste, c'est que s'il a bel et bien juste disparu, il faudrait que en fait, il est malade. S'il ne reçoit pas un traitement adéquat, son état qui commençait déjà à comment dire, à m'inquiéter, pourrait fortement s'aggraver dans les 6 mois. Grâce à un traitement, s'il commence rapidement et qu'il s'y tient, ça pourrait prolonger son espérance de vie. Allez, on va être optimiste, ça pourrait prolonger sa vie d'une dizaine ou une douzaine d'années. Ah oui, donc c'est un traitement assez efficace. C'est efficace, mais ça ne le. En fait, c'est un traitement qui ne fera que ralentir la maladie. Ça ne pourra pas le D'accord. soigner. D'accord. Par Et sa contre, maladie, elle est si... connue, quoi. oui, sa maladie est connue. Par contre, ça c'est une autre petite recommandation que je voulais lui faire. Quand il a, en fait, je lui ai appris sa maladie. Je l'ai convoqué une seconde fois. Il n'est jamais venu. Je lui ai fait déposer une lettre chez lui. Il n'est jamais venu me revoir. Alors que j'avais bien dit, quand je lui ai annoncé sa maladie, que ça pouvait être mortel, que ça pouvait être grave. Il n'est jamais revenu. Et C'est assez curieux, oui. ce qui me pousse aussi à vous en parler, sans rentrer dans le détail, mais je suis sûr qu'un homme tel que vous devrait faire sa petite se faire sa petite idée par la suite. En fait, je voulais le prévenir, il faut absolument qu'il dise à ses éventuelles conquêtes d'aller consulter. Ah oui, Puisque donc c'est transmissible. d'accord. Voilà. C'est donc transmissible, hein. C'est pas Oui. transmissible par l'air. Parce que C'est bon, j'étais à son transmis. appartement, donc on commençait un peu Non, à c'est m'inquiéter. transmissible. C'est transmissible par le biais de relations sexuelles. D'accord. Ok. Et de ce que de, quand je l'ai ausculté, quand j'ai diagnostiqué sa maladie, je pense que c'est quelque chose qu'il a dû contracter on va dire, probablement à l'été de l'année dernière. Voilà.
Donc, si vous avez connaissance d'éventuelles conquêtes qu'il aurait eues depuis l'été de l'année dernière, Oui. ce serait bien en fait qu'elles aillent consulter. D'accord, ok, ben je vais je prends note. Je prends note. Donc, je ne te fais pas faire de GD pour de jet de médecine. À l'époque, et connaissant, voilà, Ferrier avait une certaine réputation aussi de un peu de coureur de jupons. C'était aussi connu que ça lui arrivait d'aller dans des bordels. Bon, avec ce qu'il t'a donné, l'espérance de vie, machin truc, tu penses que ça pourrait être bel et bien la syphilis. Oui, bah oui, de toute façon à l'époque. Donc voilà, c'est un truc qui ne peut être que la maladie ne peut être que ralentie. Sinon, au niveau de la manière dont il s'exprime, est-ce que à part sur le plan médical, il me cacherait quelque chose Est-ce que ça pourrait m'éveiller un soupçon Oh bah tu tente moi un petit jet de psychologie. Ok. Je peux le faire aussi. Oui. Alors, petit détail pour Elisabeth, puisque toi tu viens d'entendre ce qui s'est dit, puisque t'étais avec Bernard, certainement que quand il a parlé de maladies sexuellement transmissibles, Bah oui. de conquêtes, tout ça, quand il dit qu'en fait il est très certainement tombé malade à l'été, t'as eu un peu t'as eu quelques sueurs froides. Oui, bah oui. Non, les dernières relations que tu as eues avec Vincent, ça remonte au mois de mars. Oui, mais on vérifiera quand même, hein? Donc quelques mois avant. Et de son D'accord. là, hein? Oui, voilà. Donc bah Attends, écoute. j'ai pas compris. Du coup, ça fait un an qu'il est malade, mais il est tombé malade après avoir galipetté avec sa fiancée actuelle. Ça, ce sera des trucs qu'il faudra voir tout à l'heure. Il faudra voir plus tard. Mais oui, en tant que Ça fait HRP, bien un an qu'il est malade, en fait. HRP, t'as bien entendu, t'as bien compris ce qui vient de se Ok. dire, c'est qu'il est tombé malade après avoir couché avec sa fiancée actuelle, effectivement. Mais D'accord. je vous laisserai démêler ça après. Oh oui, Sinon, non, le. excuse-moi, oui, c'est vrai qu'en plus, je suis même pas là. Sinon. Oh, magnifique. Oh! Voilà, je suis perturbée par ce que je viens d'entendre. Pour me focaliser sur quoi que ce soit d'autre, je dois être complètement dans mes pensées, en train de culer, en train de me demander. Ouais, si est-ce que tu serais est-ce que Hein? tu serais malade et tout ça, donc ça va être. En fait, j'hésite à demander tout de suite un rendez-vous au docteur. Oui. Sinon pour Bernard non pour toi il t'as pas l'impression t'as l'impression qu'il t'a en fait il a été voilà il t'a donné suffisamment d'informations pour que tu puisses te faire ta petite idée sans qu'il te le dise réellement de façon Oui, directe. direct, ouais. Donc bon il a comment dire il a préservé le secret professionnel en plus comme c'est une situation assez particulière parce que il a disparu, il est mort, on ne sait pas trop, donc voilà. Le docteur, voilà, il me dit je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup plus, si ce n'est Oui, que non, mais je comprends tout à fait. si vous le retrouvez, dites-lui d'aller à l'hôpital le plus vite possible. Et surtout, si vous connaissez certaines de ses conquêtes, au cours des. Allez, on va dire au cours des un peu moins d'un an des 10 derniers mois, surtout à qu'elles aillent consulter, qu'elles aillent vérifier, juste par acquis de conscience. D'accord, ok. Pense qu'Elisabeth manque de défaillir. Ah bah si il te voit un petit peu pas très bien et le mademoiselle, ça vous allez bien, il se lève de son bureau,
il vient à côté de toi et il met sa main sur ton épaule. Vous allez bien, mademoiselle ? Oui, oui, excusez-moi, je vais reprendre mes esprits. Veuillez m'excuser. C'est qu'est-ce qui vous arrive, c'est un vertige, quelque chose ? Il te regarde, et c'est vrai que Bernard, tu te rends compte que elle a pâli, comme pas possible. Écoute, ne bougez pas, mademoiselle, je vais vous ramener, je vais vous donner quelque chose. Et il va à un petit bureau, une petite étagère d'apothicaire, et il en sort un truc très bête, hein, mais juste un sucre dans une cuillère. Il y rajoute un petit peu de menthe par-dessus. Et voilà, vous avez peut-être un petit manque. Tenez, prenez ça, mangez ça, ça va peut-être, ça vous redonnera un petit coup de fouet, ça devrait aller mieux. Merci. Si ça se reproduit, par contre, n'hésitez pas. Vous habitez peut-être, vous habitez le quartier? Non, mais ne vous inquiétez pas. Je vais repartir avec le docteur Masson. Ne vous inquiétez pas, je serai entre de bonnes mains. Oui, d'accord. Je vais m'occuper. Vous êtes le. Ok, d'accord. Écoutez, pas de. Voilà, mais surtout, allez-y, mollo. Vous me paraissez très pâle et. Voilà, faites attention. Collègue, je compte sur vous pour. Oui, je vais prendre soin d'elle. Elle est entre de bonnes mains. Très bien. Elisabeth, on va peut-être laisser le docteur. Oui, tout à fait. Très bien, docteur Porte, je vous remercie. Et puis peut-être à bientôt, hein, pour un prochain congrès. D'accord. Et surtout, si vous avez des nouvelles, si vous avez des nouvelles de Vincent, à l'occasion, si vous pouviez me tenir au courant de son état et voilà. Oui, je vous en ferai part. Ben, je vous remercie. Et il vous serre la main, il serre la main un peu plus longuement à Elisabeth, en lui lançant un regard de médecin qui s'inquiète pour un patient de voir un peu dans un état un peu faible. Et puis bon, mais bon, il vous emmène quand même jusqu'à la porte. Et vous voilà en train de sortir de chez le docteur. Donc vous aviez une adresse pour Sophie, donc à Asnières, une adresse que vous aviez retrouvée sur des lettres des lettres d'amour, qui étaient quand même assez particulières parce que c'était des lettres où elle lui disait reviens vivre avec moi, où elle insistait pas mal là-dessus. Donc avec cette adresse-là, ça vous emmène jusqu'à un petit quartier assez, c'est un peu comme Clichy, hein, tout à l'heure, c'est pas très très reluisant à Asnières, et ça vous mène à un immeuble de 4 étages et en fait quand vous arrivez devant, il y a quelques gamins qui sont en train de jouer devant. Il y a une femme qui est avec un tablier, qui est postée à sa fenêtre, en train de regarder un peu tout le monde passer, et surtout quand je crois que vous étiez avec la voiture de la baronne. Ah oui. Donc qui regarde avec des grands yeux écarquillés la voiture se garer juste devant chez elle. Et on va repartir, il y aura plus de pneus. Hein. Alors c'est pas si craignos que ça. Ah d'accord. Okay. Non, disons que ça a l'air d'être vraiment un quartier ouvrier. D'ailleurs, vous êtes pour accéder à cette rue-là, à 2 rues d'ici, vous êtes passé devant une usine de pièces automobiles. Alors je sais plus ce que c'était comme usine, mais voilà, une usine de pièces auto. Donc ça a l'air d'être vraiment le quartier ouvrier de
comme il y avait à l'époque souvent voilà, t'avais toute une rue avec 20 une vingtaine de maisons totalement identiques et à deux pas de l'usine, histoire que les ouvriers soient ne soient pas en retard, ce genre de choses. Je crois que c'est Berlier à l'époque, avant Renault, je crois. Peut-être, j'avoue que j'ai pas cherché le nom de l'usine. Si, je crois que c'est Berlier parce que je me suis tapé 6 saisons des Brigades du Tigre, je peux te dire que je crois que c'est Berlier. D'accord. Donc voilà, vous êtes vous garé devant cet immeuble avec cette femme qui vous dévisage hein, quand vous sortez de la voiture. Bon. Moi, je fais ma baronne, je salue tout le monde comme si tout le monde était noble, quoi. Tu vois, je ne fais pas de... Mais on sent mon assurance, justement, du coup. Oui, oui. Ah bah oui, de toute façon, quand tu mets les formes, déjà, en temps ordinaire, t'as une certaine présence et un certain charisme, même juste, ne serait-ce que... avec le port un peu noble, mais quand tu mets les formes, c'est encore pire, quoi. Donc oui, tu... Encore mieux, tu veux dire. Oui, c'est encore mieux, voilà. C'est encore mieux. Donc oui, effectivement. Merci. Écoute, à l'entrée de l'immeuble, il y a plusieurs boîtes aux lettres, et notamment une boîte aux lettres au nom de Sophie Ferrier, qui vous indique que ça se trouve au quatrième étage. Mais de toute façon, je demande aux enfants ou à la dame s'ils la connaissent et si elle est là, si elle est chez elle. Alors, la femme, très surprise que tu lui adresses la parole, hein, parce que c'est... quand tu lui demandes si Sophie Ferrier est là, elle te dit le... Ouais, la petite Ferrier, ouais, elle est là, mais si vous voulez la voir, vous avez intérêt à vous dépêcher, parce que elle doit, je crois, il me semble bien qu'elle travaille, elle est d'après-midi, cette semaine. Ah, eh bien, il est à peine midi, nous devrions avoir le temps. Il faut monter, c'est ça? Oui, c'est au quatrième. Montez, madame la baronne. Par contre, il n'y a pas d'ascenseur. Entendu. Ça n'a pas l'air de déranger la baronne. Allez, on monte. Et quand vous entrez dans l'immeuble, en fait, elle s'est penchée par la fenêtre pour vraiment pour vous regarder, vous observer jusqu'à ce que vous soyez rentré dans le couloir. Elle aura de quoi raconter à ses petits enfants. Ouais. D'ailleurs, quand vous commencez à monter, vous avez monté à peine quelques marches. La porte du couloir, puisque elle habite dans cet immeuble là, la porte du couloir s'entrebâille et vous doutez très certainement qu'elle est en train de jeter un coup d'œil par la porte, en train de voir si vous montez vraiment. Je la vois bien la suivre, tu sais, jusqu'à s'appuyer sur la rambarde de l'escalier jusqu'à ce qu'elle ne la voit plus. Alors que vous êtes passé le premier étage, vous êtes à mi-chemin entre le premier et le deuxième. Effectivement, en bas au niveau de la rambarde, on voit la tête de la femme qui jette un petit coup d'œil. Mais bon, qui ne vous suit pas plus loin. Et lorsque vous arrivez au quatrième étage, en fait, le quatrième étage, ça correspond là où ce qu'on trouve traditionnellement, ce qu'on appelle les chambres de bonne. Donc les chambres sous les toits. Donc c'est assez exigu hein, le palier hein, du haut. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule porte, alors que sur les paliers d'avant, il y avait deux portes. Il n'y a qu'une seule porte avec un papier collé avec le nom de Sophie Ferrier et Vincent Ferrier aussi. D'ailleurs, sur la j'avais oublié de préciser, sur la boîte aux lettres, il y avait aussi le nom de Vincent. D'accord. Les deux étaient dessus. Et à l'intérieur, vous entendez pas très très fort une radio qui est en train de diffuser une chanson assez voilà qu'on entend beaucoup à la radio en ce moment, qui est en train de diffuser ça un petit peu en sourdine. Moi, avec assurance, je frappe à la porte.